Des mets d'exception pour une recette de fête. Grosse langoustine, céleri confit, caviar et pommes granny. On va réduire notre céleri rave. On arrondit les arêtes. Notre petit céleri, une fois formé, on va le rôtir. On l'arrose copieusement d'huile d'olive et ensuite on l'enfourne à 170 degrés en mixte pendant 30 minutes. Et on l'arrose toutes les 5 minutes. Il va se confire doucement, on va lui apporter de la douceur, de la suavité. On n'aura plus la force du céleri, mais au contraire, plein de douceur. Nos parures de céleri, c'est tout simple, on les prend, une quantité d'eau, à peine de sel, on les cuit comme une purée. Lorsque c'est très très cuit, on égoutte bien, on mixe, on termine avec un filet d'huile d'olive, une cuillère de crème fouettée, un peu de sel pour obtenir un crémeux de céleri qui va venir apporter de la rondeur et un tout petit peu plus d'intensité céleri. Donc là, notre céleri, on continue de l'arroser. Il a réduit encore un peu, évidemment, puisqu'il se confie. La pomme granny. Donc, on a fait un jus centrifugé. Ensuite, on va le coller à 1% agar-agar. En fait, on veut obtenir une gelée cassante, fine, et la mettre au frais. 30 minutes, le céleri est cuit. On sert un céleri pas chaud, pas froid, juste moelleux, agréable à déguster. Alors, nos grosses langoustines, produit d'exception, cuisson courte pour préserver les qualités de la chair. Donc, on enfourne nos langoustines, 80 degrés, vapeur, pleine vapeur. Et on va les cuire juste 2 minutes. 2 minutes de cuisson, les langoustines cuites vapeur. On va décortiquer les langoustines en gardant le dernier anneau. On va juste les assaisonner avec un tout petit peu d'huile d'olive et on va passer au dressage. Notre gelée de pommes granny, on va l'emporte-piécer pour faire un joli disque. On commence le dressage. On pose le disque de pomme granny, le céleri confit, à peine tiède, le crémeux de céleri, un gros point de pulpe de pomme granny pour l'aciduler et la texture, les langoustines, et pour finir, une cuillère de caviar pour l'iode, le plaisir et la fête.